Jeux Solutions est une société spécialisée dans la protection des marques. Nous fabriquons et nous déployons des systèmes de protection des marques pour nos clients dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique ou vin et spiritueux. Nous avons deux familles de produits. Une famille que l'on appelle traditionnelle, qui est basée sur des encres invisibles ou des éléments physiques que l'on vient rapporter sur le produit. Et une famille plutôt digitale, qui se base sur le principe de l'empreinte digitale. Donc, nous utilisons Expertise aujourd'hui, c'est l'organisation de Factory Acceptance Test. C'est un test obligatoire pour pouvoir livrer la machine chez notre client. Et donc le client doit vérifier que son système fonctionne et peut participer à l'ensemble des tests, voire même nous demander des tests additionnels grâce à l'observation. Donc cette machine permet de prendre l'empreinte digitale sur des étuis en carton. Donc c'est par un système de convoyage. L'étui va passer devant la caméra, nous allons prendre l'empreinte. Si l'empreinte est enregistrée dans notre base de données, l'étui va continuer son chemin sur la ligne de production. Si l'empreinte n'est pas enregistrée, l'étui sera éjecté dans la benne d'éjection. Nous montrons les fonctions primaires, comme les fonctions que va devoir exécuter l'opérateur, tout comme des fonctions beaucoup plus techniques de maintenance avec la vérification du câblage électrique en fonction du plan électrique. Depuis la crise sanitaire, nous utilisons de plus en plus les lunettes connectées. Là où auparavant on envoyait deux ou trois techniciens sur intervention pour être sûr d'avoir les experts sur place, aujourd'hui un seul technicien se déplace. Le kit de lunettes fait partie des indispensables quand on part en intervention sur site. Il est toujours avec le technicien et si le technicien a besoin d'un appui d'un expert qui est sur notre bureau du Bourget, il peut les utiliser et avoir l'appui nécessaire. Le fait d'avoir le kit rassure plutôt le technicien parce qu'il sait qu'il peut avoir de l'aide à n'importe quel moment et de n'importe qui dans la société. Ce qui est plutôt rassurant par rapport aux interventions que l'on faisait plutôt traditionnellement avec un support à distance très limité.